Et bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous là, que vous avez pu vous connecter. Donc j'attends que vous arriviez. Désolée pour le petit retard, malheureusement, j'ai une connexion internet de MERDE. Alors j'attends que vous connectiez tous. Voilà, ça y est, ça commence. Bonjour. Salut tout le monde. Allez, ça y est, on y est. Et coucou Valérie, ça y est, on y est. Bonjour Angéline. Bonjour Blandine, alors comme je vous disais, c'est important qu'on se dise bonjour. Hein. C'est comme dans mes cours, je dis bonjour à tout le monde. C'est très important. Salut Yo-Yo, bonjour Blandine. Donc pour les gens qui sont arrivés, ben, hier il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé. Coucou ma Bérénice, bonjour Vanessa. Et coucou ma Karine. Namasté. Salut Chris. J'attends qu'on se connecte. Coucou à Titi. Arjine qui dit bonjour, prête aujourd'hui. Yes. Salut Océane. Donc aujourd'hui, c'est un cours d'étirement. Bonjour Sandrine. C'est un cours d'étirement stretching qui va se passer dans la joie et la bonne humeur, dans le calme et la relaxation. Il faut dire que depuis lundi, je vous en mets plein la tête. Salut Papounet. Bonjour Cathy. Salut Letty. Hello. Salut Yo-Yo. Alors, mon assistante, Mallory, aujourd'hui, est en plein examen, donc elle ne sera pas là. Coucou Caroline. Salut Jess. Bonjour Audrey. Salut Maëlle. Salut la belle, comment vas-tu? Ready? Oui, je vais bien, et toi? Avec Kitty. Oh, coucou ma Kitty. Salut Agnès. Salut Lulu. Et bonjour à ma nièce, promis, je lui dirai. Bonjour ma Lulu. Attaque. Bonjour Gaël, bienvenue parmi nous, c'est son premier cours. Donc aujourd'hui, c'est un cours d'étirement stretching. Ça va se faire dans la joie et la bonne humeur, dans la douceur. Oui, je vais être douce aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour ma Carole. Bonjour ma Annette. Et bonjour Marina. Pas de travail aujourd'hui, elle dit. Bonjour Christophe. Ah, salut Mambru, tu avais un étirement? Coucou Maïta, salut Maestelle. Mariana, bonjour. Ça brûle encore aujourd'hui? Non, aujourd'hui c'est zen. Mais demain, trac, je vous défonce. Salut Jamy. Bonjour ma Brigitte. Bonjour ma Val. Allez, on est 60. J'attends encore un petit peu, puis on attaque. Salut Vanessa. On t'entend bien, super. Donc, je ferai en sorte de parler un peu plus fort par rapport à la dernière fois. Oh mince, j'ai des trucs à couler. Oh, c'est génial. Oh, non, je rigole. Bonjour, Poulpi. C'est rigolo, ça, Poulpi. J'aime bien. Bonjour, ma Sissi. Donc, étirement stretching, on va mettre un petit peu de yoga, un petit peu de pilates. On va faire un petit peu l'équilibre aussi. On va faire du debout, du sol. On va y aller doucement. Super, on m'entend bien, c'est ce qu'on me dit. Coucou Julie, la musique de fond, ça va? Pas trop fort? Dites-moi, hein, si c'est trop fort, de la bête. Voilà. Julie, elle est contente, elle dit, ça y est, je suis là. Oh. Allez, on va entendre un tout petit peu. Bonjour Amandine. Salut petite Rognac. Bonjour de Sandra. Embrassez-la bien fort de ma part, ma petite Sandra. Mais c'est Sandra, en fait, je suis blonde. Oh. Parfait, Angéline a dit, la musique de fond, tout, rien n'est agressif. Hein. Tant mieux. Parce que c'est pas évident, vu que je l'ai fait à l'intérieur, on se gelait le pompon dehors, donc voilà. Donc j'espère qu'on va rester... là, on est 76, et j'espère qu'on va rester à ce nombre-là, rester bien connectés. On va passer un bon moment. Juste un peu plus fort ta voix, mais comme tu es à l'intérieur, ça ira. D'accord, ok, Julie. D'accord. Bon, bah, j'essaierai de parler un petit peu fort lorsque je serai au sol. Faut pas que je me laisse ambiancer. Salut, Manini. Donc, avant de faire ce coup, faut savoir que je me suis défoulée. Salut, Carole, qui me reçoit 5 sur 5 du Havre. Serette Véro. Bienvenue, Carole. Et oui, c'est moi, elle dit Sandra. Oui, ma chérie.
Ah ben, c'est bien, ma Jessie. Tout le monde participe, embrassez fort. Bisous, petite de Jessica, que j'ai vue à Châteauneuf, à l'association de Châteauneuf. Bon, ben, on va pas trop attendre, hein. Valérie, ma cousine Sophia est en Grèce. Eh bien, écoute, on est même en Grèce, c'est que du bonheur. Oui, pas trop ambiancé. Promis, Julie, on va être souple et détendu aujourd'hui. Coucou Nathalie, nous avons une prof de raga qui est parmi nous. Coucou Manatou, elle est exceptionnelle. Je vous invite à aller à Rognac et à faire un de ses cours, c'est de la bombe atomique. Ah, Cécile aussi, elle s'est mis la rouste apparemment. Allez, encore une minute et on boulègue. J'ai oublié ma montre, c'est pas sérieux ça, donc je vais la prendre. Ah, parce que ce serait dommage que je vous fasse 2 heures, un petit peu comme la dernière fois, vous vous rappelez. Le cours speed, on a fait 1h30, 1h40 de cours. Et je crois que vous étiez au bout de votre vie. Hop, j'ai bien placé les choses de manière à ce que vous puissiez voir. Vous voyez bien, tout le monde. Des bisous, Manatou. Moi aussi, je te fais un bisou. Bon, c'est pas que, mais l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Hein? On est bien d'accord? Voilà. Nous allons attaquer... Alors, je regarde un petit peu, la tête aux pieds. Oui, tout le monde me voit. Hello, hello. C'est bon? Ensuite, nous passerons au sol. Nous allons passer un bon petit moment. Salut, Maëlo. Et oui, Karine est là aussi. Wake up. Allez, coucou Nieto. Donc, lorsque vous allez m'écrire, je ne vois pas trop puisque je suis myope et vu que je suis à longue distance, donc je vois les gens mais je ne vois pas les écrits. Allez, on va y aller les amis, on va rebooster la musique, buvez un coup avant cela. Nous allons nous étirer, passer un bon moment. Nous allons faire aussi beaucoup d'exercices, notamment pour le dos puisque c'est une problématique actuelle. Beaucoup de gens ont mal au cervical, beaucoup de gens ont mal au centre du dos, au bas du dos. Je vais vous faire quelques petits exercices pour déverrouiller tout ceci. Nous allons faire un petit peu de posture yoga, un petit peu de posture pilates. J'espère que vous n'avez pas oublié de mettre votre petite couverture au sol. Bon, j'ai pris ma petite serviette, votre serviette aussi, et de vous hydrater aussi. Même si c'est un cours doux et fort sympathique, il est important de s'hydrater. Hier, je vous ai fait un petit clin d'œil dessus par rapport à l'âge, etc. Le nombre de quantité d'eau que l'on doit absorber pour notre organisme. Très, très important. Allez, on est 86, on y va. Encore une fois, n'hésitez pas à inviter vos amis sur ma page. Hein, invitez-les, vous pouvez même les envoyer mes vidéos sur situées sur je sais pas où, situées sur voilà, on s'en fout. Le but du jeu c'est de passer ce confinement dans la joie et la bonne humeur et de se donner rendez-vous tous les matins de manière à ce qu'on puisse un petit peu oublier ce que l'on vit actuellement. Hein, c'est pas évident, mais on va y arriver. Vive le confinement! Voilà. Puis en attendant, on passe un bon moment. Ça nous permet de tous être en cohésion et de passer ce moment difficile d'une autre manière que de se fâcher, de s'énerver ou de s'exciter pour du papier cul. Je sais pas, mais la dernière fois, j'avais envie de faire un cours avec papier cul, mais je le ferai pas. Bon, allez, change de musique, on y va. Ben, je vais être plus douce, promis. Allez, pop it up. Parce que là, vous m'entendez, hein. La fille. Allez, c'est parti. On y court? Tout le monde est prêt? Nickel, on m'a dit. Allez, coucou Nieto. Salut Corinne. Allez, on y va. Ici, donc, les bras, les jambes écartées parallèles à vos hanches. Relâchez un peu les épaules. Nous allons inspirer.
jamais si la tête sur côté. On inspire. On se grandit, on gonfle les poumons et on souffle et on relâche la tête, les épaules. Très bien. On inspire. Gonflez-vous de poumons et soufflez. Encore une fois. J'inspire, je gonfle mon poumon et je souffle. L'autre côté, inspirez et soufflez. Ceci est dans le but de déverrouiller ici mes cervicales. C'est bien, soufflez, on y va tranquille. On inspire. Encore une dernière fois, j'inspire et je souffle. Ramenez la tête au centre. Inspirez, les épaules vers l'arrière. Creusez les omoplates. Allongez ici la tête vers plafond et soufflez ou vers le ciel. Ça dépend si vous êtes à l'extérieur. Relâchez tout. On inspire. Je me grandis maximum et je souffle. J'inspire. Avec moi, grandissez-vous. Amenez ici les pieds au sol, allongez le buste. Et je souffle et je relâche. Super. Inspirez. Creusez les omoplates. Faites comme si vous vouliez décoller du sol. Allongez la tête. Essoufflez, relâchez, c'est bien. Relâchez ici les bras, les mains. Relâchez la tête. Inspirez. Oh là là, je me grandis. Que ça fait du bien, je sens que ça déverrouille. Ça fait du bien tout ça. On va réveiller tous les muscles petit à petit. On inspire, redressez. Nous allons ici dégager la pointe des pieds. Basculez sur côté, inspirez. Dégagez pointe de pied vers vous et soufflez. Relâchez les épaules. Et je souffle. Inspirez, amenez pointe de pied vers vous, soufflez. J'inspire. Et je souffle. J'inspire, je ramène pointe de pied. J'allonge la tête, j'allonge les épaules. Et je souffle et je relâche tout, je fais chez genoux, je relâche la tête, les épaules. J'inspire, je me grandis. Et je souffle, je relâche tout. Bravo, c'est bien, on continue, on inspire. Et on souffle. On fait chez genoux, on relâche la tête, les épaules. On inspire, tirez le poids de pied vers vous, allongez. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Inspirez, fléchissez genoux, amenez les bras vers le haut. La plaque. Creusez les omoplates. On se grandit maximum. Et on souffle et on relâche, on fléchit genoux. On descend les bras doucement. On relâche les épaules, la tête au rond. Soufflez. Inspirez. Les bras vers l'arrière. Creusez les omoplates. Et soufflez. Lâchez la tête, les épaules, les mains, les bras. On inspire. Grandissez-vous maximum. Essoufflez, relâchez la tête, les épaules. C'est bien tout, relâchez tout. Inspirez. Allez, on continue. Les bras vers le haut. Maximum. Creusez les omoplates, essoufflez, relâchez. Relâchez tout, la tête, les épaules. J'inspire. Essoufflez. Et
les jambes vers l'arrière. Soufflez. Nous allons inspirer, amener les bras ici, à l'avant. Et soufflez. Inspirez, amenez bien le coude vers l'arrière. Et je souffle. Videz votre abdomen. Inspirez, ramenez cette nouvelle vers vous. Prenez l'air plein poumon. Soufflez. Dégagez le point du pied vers l'arrière. J'inspire. Gonflez le poumon, allongez le plus. Et soufflez. Tâchez. J'inspire. Gonflez les poumons et soufflez. Soufflez, imaginez qu'à chaque inspiration, vous avez une nouvelle énergie. J'inspire, une nouvelle énergie. Positive énergie, elle est bleue, elle est fluide. Et je souffle, je dégage la mauvaise. Elle est chaude, elle est noire, elle est angoissante. Inspirez, ramenez au centre. Ramenez les pieds là, coupez-les. Et soufflez. Et l'ancienne énergie, renouvelez ceci. Par ce qui entre en vous, écoutez à l'arrière, et je souffle. Inspirez, basculez sur côté. Inspirez, amenez ce nouvel air vers vous. Et soufflez. J'inspire. Et je souffle. Videz l'abdomen. Videz le front. Inspirez. Allez-y doucement. Prenez votre temps. Ce temps est pour vous, mais que pour vous. C'est un petit moment pour vous souffler. Ne vous pressez pas. J'inspire. Et je souffle, je vide tout, je vide, allez, videz la cage thoracique, videz tout, videz-vous de tout ce mauvais. Inspirez, ramenez une belle énergie à vous. J'inspire, comme un oiseau, et je souffle. Relâche la tête, les épaules. Ressentez le mouvement jusqu'au bout des doigts. Ressentez cette sérénité, ce calme, cette harmonie. On inspire. C'est comme si on était un oiseau libéré. Imaginez que vous partez de chez vous, très très loin. C'est bien. Ramenez les mains au centre, redressez ici. Ouvrez les yeux, revenez vers moi. Montez les coudes maximum. Et soufflez, relâchez au sol. Inspirez, ramenez l'énergie vers le bas. Prenez-la du sol. Gonflez les poumons. Et soufflez, fléchissez. Rentrez la tête. Fléchissez les genoux. Allongez la tête. On sent ici que tout commence à se désamorcer et relâchez.
Relâchez les bras. Inspirez, redressez. Amenez ici le bas de vos poitrines. Allongez ce buste. Allongez les bras vers les creusez les omoplates. Et je souffle. Videz tout, videz tout. Videz vos soucis, videz vos problèmes, videz vos angoisses. Videz tout. Et je souffle et je relâche encore, encore, encore et je souffle jusqu'à bout de souffle relâché. Inspirez, en nouveau, je redresse à nouveau. Faites-le vite, faites-le vite. Et soufflez, relâchez tout. En devant, relâchez tout. On relâche. On relâche les mains, les bras. On se laisse baloter de droite à gauche. On ne pense plus à rien. Videz-vous la tête. Restez avec moi. Laissez-vous juste bercer par ma voix. C'est bien. 3, 2, 1. Amenez une main puis l'autre au sol. Fléchissez un genou toujours en devant. Parfait. Allongez ici les jambes. Fléchissez les coudes. Amenez le buste au sol. Doucement. Posez votre abdomen au sol. Inspirez. Soufflez, redressez, collez les coudes. Fléchissez les genoux. Amenez les fessiers vers l'arrière. Sur une pointe. Dégagez ici. Et les pointes de pied. Ventre devant, rentrez la tête. Soufflez. Inspirez, ramenez les pieds toujours en dos. En direction des mains. Redressez-les. Inspirez. Soufflez, relâchez ici doucement en devant. Inspirez, amenez les mains au sol. Les jambes derrière les. Soit fléchissez genoux, soit restez en planche. À genoux ici, allongez le buste. En planche. Allongez le buste. Fléchissez genoux. Fléchissez coudes, coulez poitrine. Amenez ici votre abdomen au sol. Redressez, soufflez. Inspirez, ramenez les fessiers vers l'arrière, dégagez les pointes de pied, tendez les jambes, rentrez tête, relevez ici fessiers vers le haut, rentrez tête maximum, soufflez. Inspirez, ramenez les jambes, les pieds en direction des mains, soufflez, redressez le haut. Inspirez, amenez les mains vers le plafond, vers le ciel, creusez les omoplates et soufflez, relâchez. Toujours en dos rond. Inspirez, amenez les jambes vers l'arrière, amenez les buste vers l'avant, soit sur genoux, soit en planche. Soufflez, fléchissez genoux. Inspirez, restez. Soufflez, fléchissez le coude à manière de bouton. Soufflez, redressez. Salutations soleil. Inspirez sur demi-poil. Redressez. Dégagez le talon. Poussez à l'aide de vos mains. Le buste, redresse le maximum. Soufflez. Amenez les pieds en direction des mains. Inspirez. Soufflez. Redressez. Inspirez. Grandissez.
rester. Amenez une main puis l'autre sur genou. Tendez les jambes, allongez la tête, les coudes à l'intérieur, dos bien droit, regardez devant vous. Soufflez. J'inspire. Et je relâche. Inspirez. Amenez les mains sur genoux. J'entends pousser, mettez une pression sur genoux. Allongez la tête. Regardez bien devant vous. Envoyez fessiers vers l'arrière. Vous devez sentir une tension au niveau du dos. Une tension à l'arrière-cuisse. Et relâchez, soufflez. Nous allons le faire une dernière fois. Inspirez, mains sur genoux. Les coudes à l'intérieur. Allongez la tête, les coudes à l'arrière. On allonge maximum et on souffle et on relâche. Amenez un pied, un genou, puis l'autre au sol. J'inspire. Rentre le ventre, rentre la tête. Faites le rond maximum. Amenez ici les mains, les paumes des mains dans le sol. Imprimez bien. Les jambes sont écartées parallèles à la branche. Et je souffle. Creusez ici les omoplates. Creusez ici. Votre dos. Allongez la tête. Soufflez. On inspire. Rentrez le ventre. Rentrez la tête. Poussez. Mettez pression dans le sol avec vos mains. Et soufflez. Inspirez, rentrez le ventre, rentrez la tête, poussez, mettez une pression et soufflez. Allongez la tête, allongez les fessiers. J'inspire à nouveau. Encore, 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 mettez bien la pression. Les bras sont parallèles à vos épaules, les jambes sont écartées parallèles à vos hanches. Ici, nous allons faire une rotation des épaules en avant, en arrière, tout en restant dans cette posture. On inspire et on souffle en rotation. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Ici, vous allez sentir le travail au bout du dos. J'inspire et je souffle. Restez dans la même posture, il n'y a que les épaules qui travaillent. Sentez comme ça chauffe, sentez comme ça fait du bien. Au fur et à mesure des exercices, vous allez sentir les bienfaits sur votre dos. 2, 1, ramenez ici une main parallèle à votre épaule. Amenez une main, le coude en direction de l'épaule. Ne relâchez pas, regardez bien devant vous. Inspirez. Essoufflez, montez le coude maximum. On inspire, on regarde devant soi. Et on souffle. Ne relâchez pas le dos, là, même sous la même lorsque vous amenez ici. Le coude en direction de l'autre part. On inspire. Et on souffle, on regarde plafond. À vous de jouer. Pour l'instant, je vais changer un petit peu le film. Inspirez, soufflez. Allez, on lâche pas, on continue. Inspirez. Soufflez. Ramenez bien le cou, ne rentrez pas la tête, regardez bien devant vous. On inspire. Et on souffle. Vous sentez le haut du dos là? Vous sentez comme ça travaille? On inspire. Et on souffle. Parfait. Amenez bien les mains vers l'avant. Les fesses au niveau ici du plafond. Allongez. Creusez les omoplates et soufflez. Posez tête au sol.
On inspire, sur deux murmures. Et soufflez, basculez vers l'avant, pull back, rentrez le ventre. Ne laissez pas le ventre tomber, dégagez la tête, soufflez. On inspire, on ramène ici le fessier vers le haut. On allonge les bras maximum, soufflez. Inspirez, redressez en dos rond. Pull back, soufflez, creusez les omoplates. Allez, on continue. On inspire, creusez les omoplates. Allongez ici, ici vers le haut. Allongez les bras maximum. Soufflez. On inspire, on redresse à nouveau en dos rond. En dos rond. Et envoyez ici. Et puis vers l'avant, soufflez. Allongez la tête, allongez. Et on se repositionne. Les fesses vers plafond maximum. Et on allonge maximum les bras vers l'avant. Parfait. Ça va tout le monde? Très bien. Nous allons ici nous replacer à quatre pattes. Les bras parallèles à vos épaules. Les hanches, les jambes parallèles à vos hanches. Et nous allons faire exactement le même exercice que tout à l'heure. Amenez la main au niveau de votre taille, de votre oreille. Inspirez, amenez le cou. Ne fléchissez pas. Regardez toujours bien devant vous. Et soufflez. Le coude bien vers plafond. On l'accompagne avec le regard. On inspire. Et on souffle. Ne faites pas de dos rond à ce moment-là. Ne recroquevillez pas. Ne vous recroquevillez pas sur vous-même. Restez toujours bien droite. Soufflez. On inspire. Et on souffle. Le but du jeu ici, de cet exercice, c'est de travailler tout le haut de votre dos. Soufflez. On inspire. Et on souffle. J'inspire. Et je souffle. Une dernière fois. Inspirez. Et soufflez. Ramenez ici les mains vers l'avant. Creusez les omoplates. Soufflez. Allongez le buste. Ça va tout le monde? Parfait. Redressez en dos. Vous êtes maintenant sur genoux. Creusez les omoplates. Inspirez. Amenez les bras vers l'arrière. Et soufflez au fur et à mesure que vous élevez légèrement les bras vers l'arrière. Relâchez. On relâche la tête, les épaules. Et on souffle, on redresse. Lorsque vous soufflez, videz ici carrément la cage thoracique et relâchez. On inspire. Et on souffle. Parfait. Inspirez. Relâchez la tête, les épaules. Relâchez l'abdomen. Vous êtes en dos rond. Et soufflez. Parfait, c'est bien, on continue, on lâche rien. Ça nous fait un bien fou, sentez comme ça désactive tout. Relâchez tout. La tête, les épaules. On le fait encore une fois. On inspire, redressez bien. Et soufflez. Amenez les bras vers vous. Légèrement vers l'arrière de votre tête. Inspirez. Envoyez les bras maximum. Pas trop quand même pour les gens qui ont des problèmes d'épaule. Et je souffle et je relâche. Inspirez. Et soufflez, relâchez.
inspirez. Et soufflez, parfait. Relâchez. Relâchez tout. La tête, les épaules. Parfait. Nous allons nous positionner maintenant de cette manière-là. Doucement, légèrement. Amenez ici un pied par-dessus la jambe qui est plaquée au sol. Nous allons travailler ici notre fessier. Inspirez, soufflez, basculez ici, tout en poussant ici la main sur le genou de la jambe qui est par-dessus l'autre. Soufflez et amenez le buste doucement. Regardez devant vous. Allez en dessous. Relâchez, redressez. On inspire et on souffle. On envoie bien le buste en direction ici de la jambe fléchie qui est par-dessus l'autre. Sentez le fessier là. Parfait. Ça va tout le monde? Inspirez, soufflez. Allez, on étire, on tire, on tire. Encore, encore. On redresse. Et on souffle. Parfait. Redressez. Ramenez les deux jambes l'une contre l'autre. Inspirez. Redressez. Cassez les épaules vers le bas. Allongez la tête. Et on souffle et on relâche ici en dos rond. Relâchez la tête, les épaules. Inspirez. On se grandit maximum. On rentre le ventre, on casse les épaules. Comme si on était aspiré par la tête. Et soufflez, relâchez. Inspirez, redressez. Allongez la tête. Grandissez-vous, grandissez-vous. Cassez les épaules. Plus haut, plus haut. Oui, c'est ça. Et soufflez, relâchez, relâchez la tête, les épaules. Vous sentez le dos là. Ça fait un bien fou. On inspire. Et on se rendit au relâche. Une dernière fois. Inspirez. Grandissez-vous maximum. Allongez la tête. Allongez encore, encore plus loin. Plus loin, plus loin, plus loin. Et soufflez. Redressez. Nous allons nous repositionner comme tout à l'heure. Amenez une jambe par-dessus l'autre. Le dos bien droit. Amenez la main sur genou de la jambe qui est passée par-dessus l'autre. Tenez-vous bien droit, bien droite. Inspirez. Et soufflez et basculez le buste en direction ici de votre genou semi-fléchi. Relâchez. Inspirez, soufflez. Allez, amenez le buste en direction de votre jambe. Donc, c'est pas grave si l'autre genou décolle. Soufflez. C'est bien. On continue, on inspire et on souffle, amenez le buste, allez, 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 tracez le buste en direction de ce genou. Soufflez, parfait. Ça va tout le monde? Ramenez ici une jambe au niveau de votre bassin, tenez-vous bien droit, bien droite. Nous allons inspirer, nous grandir maximum et souffler, amener le buste en direction de la jambe tendue. On regarde la pointe des pieds et on souffle. Amenez l'autre main sur genou, faites en sorte qu'il touche le sol. On redresse en dos rond. Inspirez, soufflez. J'inspire à nouveau. Et je souffle.
Parfait. Restez dans cette posture-là. Nous allons ici amener le bras parallèle à notre épaule, le genou est fléchi. Et nous allons ici nous redresser. On va inspirer et tirer bien. Donc, le moment de voir, pour que vous puissiez voir le moment. Inspirez, soufflez, reposez tous. J'inspire. Allez, je me grandis, je compie le bras vers l'eau. Et je souffle. Inspirez. Allongez le bras, allongez, allongez. Vous sentez comme ça fait du bien, ça tire tout ici. Et je souffle. Encore une fois, inspirez. Regardez votre main, allongez, allongez. Et soufflez. Désolée, il y a Siri qui s'est connectée. Je n'ai pas très bien compris. C'est le téléphone qui craque. Inspirez. Soufflez. Allongez. Repositionnez-vous aussi au centre. Les mains vers l'arrière. Le dos bien droit. C'est bien. Inspirez, grandissez-vous. Et soufflez. Basculez le buste vers l'avant doucement au fur et à mesure que vous soufflez. Inspirez, redressez. Allongez, allongez maximum. Grandissez-vous, amenez bien les mains vers l'arrière, creusez les omoplates. Et je souffle. Doucement, doucement. Laissez-vous aller, laissez-vous aller. J'inspire, je redresse. Je me grandis. Maximum, je creuse les omoplates. Je fais comme si je voulais décoller mon fessier, dos bien droit. Je contracte le fessier, je relâche. Dos bien droit, je regarde devant, je regarde devant. Je relâche doucement. Doucement, je descends. Et je me presse. Grandissez-vous. Parfait. Ramenez la jambe ici. L'autre jambe en direction de votre bassin, l'autre jambe tendue. Amenez la main sur genou fléchi, dos bien droit. J'inspire et je souffle. J'essaie d'attraper ici la pointe des pieds. J'essaie d'attraper mon talon, ma cuisse, mon mollet, comme vous voulez. Cela dépend à chaque fois de la souplesse de chacun. Allez, on souffle. Et on redresse, on se grandit, plein poumon et on souffle et on ramène le buste en direction ici de notre jambe. Redressez, inspirez, soufflez. On inspire, on se redresse à nouveau. Et on souffle. Parfait, c'est bien tout le monde, bravo. Et relâchez. Ici, ce genou qui est ici, on va le mettre au sol. Allongez la jambe parallèle à votre cuisse. Le bras ici, en continuité de votre épaule, essoufflez et étirez. Allez, on étire. 3, 2, 1, et je relâche. Inspirez. Maximum et on souffle. Sentez comme ça fait du bien. On inspire. Et on souffle. Bravo tout le monde. On inspire. Maximum, maximum, tirez, tirez. Et soufflez. On le fait une dernière fois. Inspirez. Et soufflez. Bravo tout le monde. Ramenez les genoux l'un contre l'autre. Étirez bras à l'arrière. Inspirez. Et soufflez. Redressez. Inspirez. Dos rond.
Amenez les mains. Essoufflez. Ramenez en dos rond ici les mains parallèles à vos épaules. Écartez les jambes parallèles à vos hanches. Ancrez bien ici vos mains. Renflez le ventre, contractez fessiers. Allongez une jambe. Option 1. La jambe est parallèle à ma hanche. Le fessier ici ne chute pas. Il reste bien droit dans la continuité de ma hanche. Option 2. Amenez le bras. On inspire. On s'ouvre. Et on reste équilibré. Inspirez. Pardon. Et soufflez. Option 3. Pour ceux qui le souhaitent. Ramenez ici genoux. On inspire. Et on souffle doucement. Option 1. Pour ceux qui ont les mains au sol, je peux ici rentrer la tête. J'inspire. Et je souffle doucement, je développe la jambe arrière. Rentrez le ventre, contractez fessiers. Ne laissez pas votre abdomen ici se relâcher. C'est vraiment de l'équilibre, l'équilibre gainage, en étirement. C'est que du bonheur. Alors on y va tranquille, aisément. Faites-le toute seule. N'oubliez pas d'inspirer, d'expirer. Voilà, laissez-vous bercer par la musique. Laissez-vous bercer par ma voix. Par cette ambiance, cette synergie qui se fait entre nous. On inspire. Et on souffle. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez et restez. On reste. Allez, on reste, on reste. Restez, restez. Une bonne. Une bonne posture. 4. Allongez mes mains, fessiers vers le haut, soufflez. On relâche, on relâche. On sent que là, ça a bien travaillé. Nous allons faire de même de l'autre côté. Équilibre. Redressez ici. On ramène nos mains parallèles à nos épaules. Nous écartons les jambes parallèles à nos hanches. Nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas de pression dès le début. Allongez l'autre jambe. Évitez ici un penchement de bassin. Restez dans la lignée de votre bassin. Amenez-le plus vers l'avant. Rentrez le ventre. Contractez fessiers. Regardez devant vous. Option 1. J'allonge la jambe. Je reste. Option 2. Ici. Bras parallèles à vos épaules. Inspirez. Soufflez. Allez, on lâche pas. On inspire. Et on souffle. Inspirez. Alors, c'est normal qu'on ait un côté plus fort que l'autre. N'oubliez pas que l'autre, lors de notre petite construction dans le ventre de notre maman, il y a toujours un côté qui se fait en premier. Et oui, un développement d'un côté plus que l'autre. Donc nous avons toujours un côté plus fort que l'autre. C'est tout à fait légitime. D'accord ? Donc nos paniques, si de ce côté-là ou de l'autre, c'était plus facile ou moins facile. Allez, on continue, on inspire, on souffle, c'est bien tout le monde. On inspire. Et on souffle. Encore une fois, j'inspire et je souffle et je reste. Allez, restez, rentrez bien le ventre, envoyez bien le plus vers l'avant. Évitez ici de jouer sur vos hanches. Et on reste en équilibre. 4, 3, 2, 1, parfait. Nous ramenons à nouveau ici le fessier vers le haut. Allongez les bras. Creusez ici les omoplates. Posez tête. Relevez le fessier maximum. Maximum d'un plafond. Voilà, c'est bien. On est bien là. Formidable. Redressez en dos rond doucement. Pour vous positionner ici. De cette manière. Comment ça va tout le monde? Ça va? Pied contre pied. Oups. Les coudes
ici des genoux, des jointures des genoux. Inspirez, rentrez le ventre et soufflez, poussez au fur et à mesure, amenez le buste en direction de vos petits petons. Poussez bien, vous devez sentir ici les adducteurs. Voilà, c'est bien, et redressez en dos. On inspire et on souffle. Inspirez, redressez en dos rond. Grandissez-vous. Et soufflez, poussez. Alors, je peux aussi pousser avec mes mains si je veux un peu plus d'efficacité. À condition, bien sûr, d'avoir les coudes à l'extérieur, pas à l'intérieur. Soufflez. On inspire. Et je souffle. Allez, je pousse encore. Je regarde bien devant moi. Je ne casse pas ici. La continuité de ma colonne vertébrale, elle est droite, elle reste droite. J'inspire et je souffle. Ramenez les deux genoux l'un contre l'autre. Redressez bien votre buste par le biais de l'inspiration. Et soufflez, et on va descendre doucement pour se positionner au sol. Allez-y en dos rond. Soyez gentil avec vous. Parfait. Inspirez, étirez pointe de pied, étirez bras. Maximum, creusez les omoplates. Légèrement, vous faites légèrement un petit pont au niveau du centre du dos. Et je souffle et je relâche ici les mains, je relâche les pointes de pied vers moi. J'inspire, j'étire à nouveau, étirez bien, allongez les bras, allongez les pointes de pied maximum, le plus loin possible, et soufflez et relâchez. Bravo tout le monde. Encore une fois, j'inspire, allez-y, continuez, et soufflez, relâchez. Parfait. Nous allons amener les bras maintenant le long ici de notre corps. Nous allons jouer sur nos cervicales. Nous allons inspirer, casser les épaules, allonger la tête et souffler et amener le menton en direction de notre poitrine, tout en soufflant. On inspire, reposez tête. Allongez, casser les épaules vers le bas. Et soufflez et amenez ici menton en direction ici de votre poitrine, les phalanges de main vers vous. On repose, on inspire. Cassez les épaules, rentrez le ventre, soufflez, amenez ici votre menton en direction de la poitrine, phalanges de main vers vous. Et je relâche. Une dernière fois, ressentez vos cervicales. On allonge et casse les épaules et on souffle. Parfait. Très bien. Relâchez. Inspirez. Dégagez la pointe des pieds. Allongez les bras le plus loin possible vers l'eau. Creusez ici vos omoplates. Et soufflez et relâchez. On inspire. On tire la pointe des pieds, on allonge les bras. Et on souffle et on relâche. À nouveau, inspirez, tirez ici les bras maximum, tirez la pointe des pieds. Creusez les omoplates. Allez, maximum et relâchez. Bien. Amenez maintenant les bras parallèles à vos épaules. Amenez bien les phalanges de main au sol. Fléchissez genoux. Parallèle à vos hanches. Calez bien ici votre dos. Je vais donc de vous demander pour cet exercice-là de veiller à garder les pieds au sol. Les jambes ici sont fléchies. Elles sont parallèles à vos hanches. Vous allez inspirer. Et soufflez, basculez légèrement sur côté.
jusqu'à ce que vos pieds décollent du sol. Gardez les pieds au sol. Inspirez, ramenez au centre. On ramène les pieds en direction de nos fessiers. Et on souffle. Regardez de l'autre côté, les jambes sont dirigées. C'est bien. Ramenez au centre, inspirez, soufflez. Et on regarde de l'autre côté, inverse les jambes. On inspire. Et on souffle, on continue. À vous de jouer. Inspirez, soufflez, continuez. Allez sur la côté, bien à ce que vos pieds soient bien. Au sol, parfait. On inspire et on souffle. Parfait. Ramenez vos jambes au centre. Ramenez ici les genoux en direction de votre poitrine. Tendez les jambes. Emprisonnez ici vos jambes par le biais de vos mains. Nous allons inspirer. Soufflez. Amenez les jambes doucement au fur et à mesure que vous soufflez en direction de votre buste. On inspire, fléchis ses genoux pour les personnes pour qui c'est trop compliqué. Et on souffle, on tend jambes et on les ramène en direction de notre buste. Doucement, doucement. Je fléchis genoux. Et je souffle, je ramène mes jambes en direction de mon buste. Pour les personnes qui veulent un peu plus sentir, n'hésitez pas à écraser ici les jambes en direction de votre poitrine. Pour les personnes qui ont des problèmes de dos, on y va doucement, sereinement, tranquillement. Et on relâche. On inspire. Et on souffle. Relâchez une jambe ici, vers le bas, jambe tendue, inspirez, calez votre dos. Pour les autres, mettez genoux au sol, si le dos se campe. On inspire et on souffle en ta jambe et on ramène la jambe emprisonnée en direction de notre buste. Dégagez la tête. Et relâchez. On inspire. Et on souffle, on refait exactement le même exercice. Amenez ici le buste en direction de la jambe. Allongez l'autre jambe. J'inspire. Et je souffle. Alors pour les personnes qui ont des problèmes ici d'épaule, vous pouvez le faire avec une serviette et l'amener vers vous. Soufflez. Relâchez. Ramenez les deux jambes, les deux genoux vers vous et faites une mini-rotation en vous imaginant que sur le bas de votre dos, vous avez deux petits points et vers le haut du dos, deux autres points vers le centre du dos. Veillez à ce que vous les écrasiez au fur et à mesure de cette rotation. On inspire et on souffle. On y va doucement, prend son temps. Cet temps qui est imparti, c'est pour vous. Ce n'est que pour vous. Rien que pour vous. On se vide la tête, on ne pense plus à rien. Strictement plus à rien, on fait le vide. C'est bien, parfait.
Nous allons maintenant allonger, garder un pied au sol. Tendez l'autre jambe. Emprisonnez ses chevilles, mollets, cuisses. Pointe de pied, cela dépend de votre souplesse. Inspirez. Soufflez. Alignez la jambe en direction de votre buste. Tendez la jambe. Soufflez, allez. Regardez le plafond, regardez le point de pied. Et relâchez. Inspirez. Et soufflez. J'inspire en vous. Creusez les omoplates, allongez les bras, faites de petits ponts, allez un peu plus de ponts et je relâche et je relâche tout. Doucement, inspirez, faites de petits ponts ici, allez-y, faites-le, et soufflez. Parfait. Ramenez les deux genoux en direction de votre poitrine et nous allons aussi faire une demi-rotation. En imaginant comme tout à l'heure que nous avons quatre points, deux points vers le point, vers le bas du dos, deux points vers le haut du dos, et nous veillons à les écraser. Voilà, c'est très bien. On inspire et on souffle. Parfait. Très très bien. Prenez votre temps. Ne pensez plus à rien, restez avec moi. Laissez-vous aller doucement. Voilà, c'est bien. J'inspire, je souffle, je ferme les yeux. Nous allons laisser maintenant une jambe puis l'autre s'amener au sol. Amenez les mains au niveau de votre abdomen. Inspirez. Fermez les yeux, laissez-vous aller, soufflez, n'ayez pas peur. Sentez votre ventre qui se gonfle. Laissez-vous aller, ne pensez plus à rien. Inspirez, soufflez. Là, c'est bien. Vous vous sentez de plus en plus léger, de plus en plus légère. Comme si à un moment donné, vous partiez ailleurs. J'inspire et je souffle. Sortez vos côtes ici, s'écartez l'une à l'autre, telle une fleur qui s'ouvre de bon matin, doucement. Soufflez, resserrez vos côtes, c'est bien.
je vais vous demander maintenant d'inspirer, de relâcher ici votre visage, relâchez les yeux, relâchez vos joues, relâchez votre mâchoire. Inspirez, relâchez maintenant votre cou, laissez vos épaules doucement se détendre au fur et à mesure que vous expirez. Inspirez, relâchez maintenant vos bras, vos mains, votre abdomen. Laissez-le doucement se détendre, laissez-le se relaxer. Inspirez, soufflez, relâchez votre dos. Laissez-le se placer comme bon lui semble. Très bien. Vous sentez tout le haut de votre corps se relâcher au fur et à mesure. Il est totalement détendu. Inspirez, soufflez, relâchez maintenant votre bassin. Laissez-le doucement s'écraser au sol. Sentez cette sensation de relâchement total. C'est bien. Inspirez. Soufflez. Relâchez maintenant vos cuisses. Laissez-le s'écraser au sol. Ne faire qu'une au sol. Là, c'est bien. Inspirez. Soufflez. Relâchez vos jambes. Laissez-les se détendre, il n'y a plus aucune pression. J'inspire. Et je souffle, je relâche ici mes chevilles jusqu'au bout de mes pieds. Je ne pense plus à rien. Vous avez tout votre corps qui est relâché, totalement détendu, en harmonie totale avec tout ce que vous avez fait précédemment. Autour de vous, plus rien n'existe. C'est comme si vous étiez dans une bulle, à sonoriser, comme si à un moment donné, vous étiez une cette petite feuille qui se laisse bercer par une brise, totalement insouciante. Elle se laisse aller, elle se laisse bercer. Vous êtes extrêmement léger, extrêmement légère, totalement loin de tout. Inspirez, soufflez, laissez-vous envelopper par toute cette énergie positive, l'harmonie, le calme, la sérénité, cette sensation de fraîcheur, de renouveau. Laissez-la s'imprégner en vous, laissez-la venir en vous, inspirez, absorbez-la, soufflez, inspirez. Laissez-vous bercer par ce calme, cette harmonie, par cette sensation de détachement total, cette sensation de pouvoir enfin vous libérer de tout. Vous n'avez plus de poids, plus de contraintes. Tout est simple, tout est léger, tout est calme. Je vais vous demander désormais de revenir vers moi doucement. Bougez vos mains, bougez vos pieds, doucement, inspirez, soufflez et ouvrez doucement vos yeux à votre allure. Revenez vers moi doucement, doucement, ça y est, vous êtes avec moi, totalement relâché, totalement calme, serein et sereine. J'espère que ce cours vous a fait du bien, qu'il a pu vous relaxer. J'espère que ça s'est bien passé, que vous avez pu partir un petit peu avec moi dans ce voyage, que vous avez senti votre dos et tous vos autres muscles s'étirer. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Faites-moi un coucou pour me dire si vous êtes tous bien là, si vous tous êtes tous bien vivants et si vous êtes bien revenus. Vous dormez encore ? Je suis allée un peu trop fort. Allô, il y a quelqu'un ?
Ah, merci Chris, très bien. Ah, ça va Titi, vous êtes là, vous êtes tous réveillés. J'ai une peur. Ah, super, Julie, parfait. Eh bien voilà les amis, j'espère que ça vous a fait un bien fou. J'espère que ça vous a permis de vous détendre. Moi, je vous dis rendez-vous demain avec mes petites cornes. Je reprends mon rôle de diablesse. Nous sommes 55, nous avons fini 56 dans cette aventure-là. Nous reprendrons du service. Alors là, on est quoi? Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dans une superbe détente, hein, comme celle-ci. Je vais faire en sorte à chaque fois de vous proposer des cours différents, un petit peu comme dans tous mes cours. Hein. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Je vous dis à demain dans la joie et la bonne humeur. Bonne zen attitude tout au long de cette journée. Je vous embrasse très très fort. Une bonne journée à vous et à très bientôt. Hein. Et zen attitude. Ouais, par contre demain, pas zen attitude. Demain, je vous défonce. Hein. Demain, je vous éclate. Demain, ça va faire mal. Ah oh, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, vous avez qu'à suivre ma page. Et voilà. Ciao, tout le monde. À bientôt. Grosse bise et bonne journée à vous. Ciao.